Oui, là, on regarde une dernière fois dans la cave et on laissera tout comme ça. Les déménageurs s'en occuperont. Bon, je vais te laisser. Bisous. Tellement de souvenirs. Ça va? Tu te sens bien? Non, non, mais t'inquiète pas, c'est juste que ça me fait bizarre de me dire que je vais quitter cet endroit. C'est normal, tu vis là depuis que t'es gamine, mais on peut plus vivre ici. Oui, je sais. On aura notre propre appartement en ville et puis plus besoin de faire des heures de route pour faire les courses. Non mais oui, c'est sûr, mais ça me fait bizarre de me dire que je reviendrai plus jamais ici. Adriana, je sais que t'es restée ici à la mort de ton père, mais on n'a plus vraiment les moyens de garder la maison et un appartement. Je sais bien, Liana, c'est... Enfin, je regrette pas. C'est un mauvais moment à passer. Bon, je m'occupe de cette boîte, tu t'occupes de celle-là? D'accord, laisse-moi faire. Regarde ça. C'est juste un pistolet. Ouais, mais je ne l'avais jamais vu avant. Tu dois juste pas t'en souvenir. Ça me dit vraiment rien. Oh les mains!
Je ne remets pas en doute votre parole. C'est dans mon devoir, d'ailleurs, de vous comprendre et de trouver une solution si, comme vous le dites, sa conscience est enfermée dans cet ourson. Auquel cas, oui, elle serait encore en vie. Vous pensez qu'elle nous voit ? C'est une très grande hypothèse. Elle pourrait nous voir, nous sentir, nous entendre, mais ne pas bouger. Mais elle peut pas rester comme ça toute sa vie. Ne vous inquiétez pas. En règle générale, il y a toujours une solution. Elle va être portée disparue. Et je suppose que je suis la principale suspecte. Et j'arrive pas à me dire que je la reverrai plus jamais de ma vie. Calmez-vous. Je vais essayer de vous aider. Alors détendez-vous, d'accord ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider ? Premièrement, est-ce que je pourrais voir l'objet en question ? Vous m'avez dit avoir essayé de tirer avec. C'est bien ça, et je pensais que ça allait faire l'effet inverse. Ça alors, c'est très peu commun. Vous avez une solution ? À votre place, j'aurais fait ce que vous avez déjà essayé de faire. Si ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que je pourrais avoir plus de détails sur la provenance de cet objet ? Elle était dans la cave chez moi. Je suppose qu'elle devait sûrement être à mon père. Devait ? Votre père n'est plus là. Oui, il est mort il y a 3 ans. C'est problématique. Alors peut-être que votre mère ou des amis de votre père auraient des informations pour verser le processus. Ma mère a disparu quand j'avais 8 ans. Et je connais pas les amis de mon père. J'étais pas très proche de lui. Je vois. Je suis désolé. Dans ce cas, parlez-moi de votre mère. Comment a-t-elle disparu ? Un jour d'été, ma mère a disparu. Elle n'a rien pris avec elle et mon père, il a jamais voulu en parler. Non. Non, c'est pas possible. Peut-être que votre père aurait caché sa disparition. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Retournez chez vous. Si tout ce que vous dites est vrai depuis le début, peut-être que votre mère est encore là-bas. Vous délirez complètement. Et vous alors, vous ne délirez pas ? Je fonde des hypothèses à partir de ce que je sais. Dis-moi, tu ferais quoi si tu te retrouvais avec la personne que t'aimes, complètement paralysée, inconsciente, qui peut même pas bouger le regard ?
Oui. Tu ferais quoi? Ok. Merci, Emilie.